prepara aussi pour la testimonianza. E altre persone si ripreparano per rendere testimonianza. Alleluia. Amen. Je salue tous mes enfants, mes frères, mes sœurs. Salut tutti mes figli, mes fratelli. Je suis vraiment très très contente. Sono molto felice di vedervi tutti insieme oggi. Il y a quelques semaines j'étais là à Cremona. Alcune settimane fa Cremona. Le temps a manqué, j'avais quelque chose à dire à ma famille de Cremona. Et ce que j'avais fait tout simplement, c'était de leur proposer un passage. Je ne sais pas s'ils avaient eu le temps de lire ça à la maison. Je propose ton versetto. Qui se souvient le passage que j'avais qui proposé si la personne. Dans Juge, in Giudice, chapitre 14, capitolo 14, à partir du verset 5. Versetto 5. Et aujourd'hui vraiment c'est le moment opportun pour, pour dire que ce que ce passage voulait me dire personnellement c'est que nous sommes aujourd'hui une grande famille. Et que siamo oggi una grande famiglia. Je suis vraiment très contente. Sono veramente molto felice di vedervi tutti insieme oggi. L'église de Cremona, la chiesa di Cremona, responsabili di Parma qui presenti. È una grande gioia per me di avervi qui. Amen. E come lo dottor, come dottore, dans cette dernière période, in questi ultimi periodi, ha dato un insegnamento sul regno di Dio. E il regno di Dio ha una costituzione. Anche una costituzione. Che è la Bibbia. Che è la Bibbia. La Bible est le texte, le code de tout chrétien. La Bibbia è il codice e il testo di ogni cristiano. C'est avec la Bible. È con la Bibbia che noi dobbiamo régler notre vie. E mettere a posto la nostra vita. Lo Seigneur a permis. Il Signore ha permesso. Deve mettere ancora à l'épreuve. Di mettermi ancora in prova. En me proposant un texte. Proponendomi un testo. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai un poème. C'est vrai qu'il demande souvent de lire des poèmes, de lire avec quelqu'un. J'ai un poème ici à vous proposer aujourd'hui. A una poesia da proporre oggi. Prêtez l'oreille. Siate attenti. Et je vous prie vraiment de prêter l'oreille. Et vi prego veramente di stare attenti. Le code de la Bible. Le code de la parole de Dieu. La Bible, le livre des livres. La Bible est la parole de Dieu, en tout temps et en tout lieu. Elle nous révèle tout. La Bible est le livre des livres. Si je la fouille avec envie, c'est là que je trouve le trésor de ma vie. Et si je découvre les secrets pour ma survie, la Bible est unique et toujours la même. L'auteur Arnais se gémit l'être suprême. Elle annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible est la vérité. Je la garde comme une fleur. Je la lis à toute heure pour qu'elle reste dans mon cœur. La Bible est un livre romantique. On le voit dans Cantique des Cantiques. Chantonne des délices de la passion, la Bible célèbre l'amour. C'est alors qu'avec plaisir, mon chouchou, je vais chérir. Et jamais, jamais, l'amour ne va flétrir. La Bible dénonce Lucifer, ce vilain roi absolu de l'enfer. La Bible nous en délivre. La Bible condamne le mal même au diable. De cet infâme cordon, marchons vers le divin pardon. La grâce de Dieu, le divin don. La Bible est le guide d'une révolution. Pour toutes sortes de résolutions, c'est la constitution du royaume. La Bible est le livre de la loi.
Ah oui, désormais, tout est bon. La Bible est un sûr, perpétuel flambeau. Oh non, désormais, plus de flambeau. La Bible est le livre des livres. La Bible est la vérité. La Bible célèbre l'amour. La Bible condamne le malin, le diable. La Bible est le livre de la loi. La Bible est tout cela. C'est vrai. La Bible est le livre des livres. La Bible est le livre des livres. Que la gloire revienne à Jésus. La Bible, mon livre unique. Parole inspirée de Dieu. Elle répond aux questions fondamentales de l'existence. À chacun, la Bible présente une vie nouvelle. Le pardon et la paix de Dieu par Jésus-Christ, qui a dit de lui-même, « Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. » Jean 10, verset 11. Vérité historique, message actuel, parole éternelle. Amen. Amen.